Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. S'adapter au changement climatique et aux ressources limitées de notre planète passe par une prise de conscience des besoins nécessaires pour vivre décemment et en harmonie avec la nature et avoir le moins d'impact négatif possible. Aussi, de nombreuses alternatives existent pour construire un habitat résilient, écologique et autonome. Aujourd'hui, Monsieur Green visite une maison atypique construite en Dordogne, plus précisément à Bira. Il s'agit d'un Earthship, appelé encore géonef ou encore vaisseau de terre, conçu par l'architecte américain Michael Reynolds, qui parcourt aujourd'hui le monde pour installer son concept. Il s'est donc arrêté également en Dordogne, et je remercie Pauline, propriétaire du Earthship, de m'accueillir pour me faire découvrir les différentes fonctionnalités étonnantes de cette maison vivante. Bonjour Pauline! Tout d'abord, peux-tu brièvement te présenter et nous expliquer pourquoi ta famille et toi avez voulu construire ce type de maison autonome ? Donc, je m'appelle Pauline, je vis avec mon compagnon Benjamin et ma fille de 5 ans Noéa dans une maison Earthship. Et en fait, l'idée d'avoir fait construire et de vivre dans cette maison nous est venue il y a maintenant 5 ans. Donc j'avais une amie qui travaillait pour Earthship Biotecture, qui est l'entreprise de Michael Reynolds, le créateur des Earthship. Donc on vivait aux États-Unis à ce moment-là, à Los Angeles plus exactement, et on la croisait souvent quand elle partait sur des chantiers internationaux pour travailler pour Earthship. Elle passait souvent par chez nous, et on la croisait, et à chaque fois elle me parlait de ses maisons, elle me disait « ça te plairait tellement, il faut que vous veniez voir, c'est au Nouveau-Mexique, c'est quand même assez loin de Los Angeles », mais bon, il y a un moment on s'est motivé, on s'est dit « il faut quand même qu'on aille voir ça ». Donc on est parti en road trip à Taos au Nouveau-Mexique, tous les trois, quand Noéa avait 8 mois, donc il y a un peu moins de 5 ans. Et donc on a passé une semaine à Taos, là où donc les premières Earthship ont été construites et où maintenant il y en a quelques centaines, parce que c'est là que Earthship expérimente en fait de nouveaux types d'habitations qui sont toujours basés sur les mêmes principes. Mais bon. Et du coup on a pu passer une semaine vraiment à vivre dedans, à les expérimenter. C'était un mois de novembre, il neigeait dehors. Et je me souviens qu'on était en t-shirt le soir dans la maison alors qu'il faisait moins 5 dehors, qu'il y avait de la neige, c'était vraiment très impressionnant. Et de se dire que tout ça était autonome et que ça fonctionnait tout seul, voilà. Et donc nous, on n'avait jamais eu d'envie de construire, de vivre dans une maison écologique, nous avait jamais traversé l'esprit parce qu'on n'avait pas du tout l'envie de devenir propriétaire. On voulait rester libre et nomade un peu toute notre vie, c'était un peu notre idéal. Et puis le fait d'avoir vécu dans ces maisons, ça nous a vraiment chamboulé. C'est une maison qui est tellement en accord avec nos valeurs et avec la façon dont on aimerait vivre. Mais jusque-là, on s'était toujours dit qu'il n'y avait pas une maison qui nous correspondait. Et là, on s'est vraiment dit, mais en fait, ça serait tellement cohérent avec tout le reste qu'on essaie de mettre en place dans notre vie. C'est là que l'idée a commencé à éclore. Après, on s'est renseigné un peu sur les coûts, si c'était possible de le faire en France, parce qu'on avait déjà l'idée à terme de revenir habiter en Europe et sans doute en France. On a commencé à se renseigner. Ça a duré à peu près 2 ans, je dirais, la période vraiment de réflexion jusqu'à ce qu'on dise vraiment on y va. Donc, c'était les 2 dernières années qu'on passait aux États-Unis. Et quand on a dit OK, on rentre, voilà, on se disait que c'était un projet qui était vraiment top pour pouvoir se remettre dans la vie française sans revenir vraiment de là où on était. Donc on est venu s'installer en Dordogne sans attache, on connaissait quasi personne ici, on n'a pas de famille, donc on s'était dit voilà, il faut qu'on trouve une région qui va nous accueillir, qui va sans doute accepter ce type de maison, et donc on va revenir avec ce projet et voir si c'est possible. Peux-tu nous décrire le concept d'une maison Earthship, les matériaux utilisés, les différents systèmes mis en place pour permettre l'autonomie en énergie, en eau et également en alimentation ? Les principes d'Earthship, donc il y en a 6. Le premier principe, c'est que c'est une maison qui est construite à base de matériaux recyclés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une maison 100% écologique. Il y a des matériaux qui ne sont pas terribles dedans non plus, mais il y a le principe d'utiliser des déchets. Donc lesquels ? Le mur principal de la maison, c'est une forme un peu en U très très allongée.
Tout ce mur-là, c'est le mur en fait qui va servir de masse thermique et il est fabriqué à base de pneus. Le principe, c'est que les pneus sont empilés les uns sur les autres avec un certain angle et ils sont tassés. Le pneu en lui-même n'a aucun intérêt au niveau masse thermique, mais c'est le fait de tasser le pneu avec de la terre ou ce qu'on trouve sur le terrain. Nous, on avait beaucoup de cailloux, donc c'était un mélange de terre et de cailloux. Le fait qu'il n'y ait pas d'air du tout dans cette masse qui va permettre de garder la chaleur ou la fraîcheur en été et de la redonner constamment et donc de garder une température quasi constante. Donc il y a quand même des variations entre de 4-5 degrés, mais même pas normalement quand la maison est vraiment performante. Donc au bout de quelques années, on devrait avoir que 2-3 degrés de différence. Donc ça, c'est le mur de base du Hirschi Blanc. Dans notre maison qui fait 150 mètres carrés, on a utilisé à peu près 800 pneus, un petit peu plus, je crois. Voilà, c'est 800 pneus en moins dans la nature à traiter. Donc après, on a aussi les bouteilles en verre. Donc on en a utilisé à peu près 6000 sur la maison. On fait des briques de verre en fait. Donc on les coupe en deux, on les nettoie, on les sèche et on met des culs de bouteille les uns. Enfin, deux coups de bouteille ensemble pour former une brique. Et avec ça, on peut monter des murs qui laissent passer la lumière et qui, en plus, donnent un côté design intéressant et qui est un peu la marque de fabrique d'Hersheep. Et puis, on a aussi utilisé des canettes pour les cloisons des murs pour utiliser moins de ciment, moins de matière. Voilà. Et on a aussi utilisé pas mal de bouteilles en verre pour bloquer des trous. Voilà. C'est toujours l'idée d'utiliser moins de matière. Donc, par exemple, quand on a fait notre douche aussi, on a rempli avec des morceaux de bouteilles cassées, avec des choses pour utiliser moins de ciment, quoi. Donc ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est que il est autonome en eau. Le toit est incliné et il y a des bacs aciers qui font qu'il y a une assez grande surface pour récolter les eaux de pluie. On peut récupérer pas mal d'eau de pluie. On a trois grosses citernes. On a 18 mètres cubes de citernes enterrées à l'arrière de la maison. Et donc, ça nous permet d'être autonome en eau. Et après, on est aussi donc autonome en électricité parce qu'on a des panneaux solaires et des batteries. Donc ça, c'est le troisième système. Le quatrième, c'est la réutilisation et le traitement des eaux en interne. Donc en fait, l'eau qu'on utilise dans les éviers, dans les douches, le lave-vaisselle, le lave-linge, tout ça va aller dans des bacs de plantes, dans les bacs de plantes qui sont dans la serre. L'eau va être nettoyée par les plantes et en plus ça va donner de l'eau aux plantes, donc il n'y a pas besoin d'arroser les plantes qui sont dans la serre. Et derrière, cette eau va revenir dans les toilettes. Donc quand on tire la chasse, c'est de l'eau qui a déjà été utilisée deux fois. Et après, ça va sortir dehors en phytoépuration. Pas besoin de fosse septique, de traitement, on n'est pas relié aux égouts. Donc ça, c'est le quatrième principe. Ensuite, il y a la production de nourriture dans la serre. On a deux très grands bacs de plantes, donc on a l'eau qui arrive et dessus on a des sables de la terre et là on peut planter des petits arbres fruitiers, des plantes, de la nourriture, donc on peut faire pousser de la nourriture à l'intérieur de la maison et surtout on peut faire pousser des choses exotiques dans le sens où il ne gèle jamais, il fait rarement moins de 10 degrés dans la serre, donc ça nous permet d'avoir des ananas, des bananiers, des tomates en hiver, des poivrons, plein de choses. Il y a des plantes qui restent même vivaces parce qu'elles ne gèlent jamais, donc ça c'est un petit luxe de pouvoir faire pousser des plantes comme ça dans sa maison. Le dernier système Hirschi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de chauffage. Le mur de pneus qui est tout le long de la maison, il va servir de masse thermique. Donc la serre qui est à l'avant de la maison a une inclinaison qui est calculée par rapport à la latitude où on se trouve pour pouvoir amener un maximum de lumière en hiver quand le soleil est bas et un minimum de lumière en été quand le soleil est haut. Donc la lumière et la chaleur. Cette serre va faire rentrer la chaleur dans la maison. La masse thermique du mur de fond va emmagasiner cette chaleur et la redonner lentement. Autour du mur, enterré derrière le mur, il y a une sorte d'emballage cadeau thermique, donc tout autour de la maison, pour pas justement que cette chaleur soit perdue dans la terre à l'arrière. Ça nous permet d'avoir une température plus ou moins constante. Alors pour le moment, la maison n'est pas encore complètement efficace parce qu'elle est encore trop jeune, mais on devrait avoir entre 18 et 22 degrés toute l'année. En été, pour pas qu'il fasse trop chaud, là on a un système de puits canadiens. Donc dans chaque pièce, on a des ouvertures avec des tuyaux en grès qui sont sous la terre et donc qui vont amener un air frais à 15 degrés. On va ouvrir une trappe qui est en haut des portes qui donne sur la serre et à l'intérieur de la serre, on va ouvrir une autre trappe qui s'évacue. L'air chaud va monter et ça va attirer l'air frais des tuyaux qui va faire un effet d'air conditionné complètement naturel. Donc il faut juste bien savoir jouer avec les portes et bien connaître la maison. Avec cette maison, on ne peut s'empêcher de vivre au rythme naturel. Au-delà de la protection qu'apporte tout type d'habitat, il semblerait qu'il en découle une certaine philosophie de vie. Peux-tu nous en parler?
C'est vrai que quand on vit dans un worship, c'est pas comme une maison classique et ça nous reconnecte complètement avec nos ressources et donc avec la nature. Parce que dans une maison classique, on appuie sur l'interrupteur, ça s'allume, les lampes s'allument, on veut se faire un café, on allume la machine à café, on a besoin de faire aller le four, on réfléchit pas, on pose sur le bouton. Et en fait, on se rend pas compte des conséquences de nos actes. Même nous qui étions déjà assez intéressés par les questions écologiques et on faisait très attention là où on habitait avant, moi j'avais l'impression de devoir toujours faire des efforts. Je prenais des douches très courtes, je faisais pipi dans la douche, je mettais jamais le chauffage électrique à plus de 18, on essayait d'isoler comme on pouvait, mais comme c'était pas notre maison, on faisait jamais de travaux, donc on perdait énormément de chaleur avec l'isolation. Et donc j'avais toujours cette impression, entre la culpabilité et l'effort constant, de toujours devoir faire attention. Et maintenant, le fait de vivre dans un worship, j'ai l'impression de pouvoir me laisser aller. Mais il y a plein de gens qui vivent dans une maison traditionnelle qui vont pas pouvoir vivre dans un worship parce que pour eux, il y a des limites qui sont trop compliquées. Mais nous, on le vit plus du tout comme des limites. Il a fallu un petit temps d'adaptation, on a dû changer certains de nos comportements, mais pour nous, c'est plus des opportunités. C'est « Ah, aujourd'hui, on a telle et telle ressource, bah alors on va adapter nos comportements et on va faire ça et ça. » Donc aujourd'hui, on a une grande journée de soleil et on sait que nos citernes sont plutôt remplies et qu'on annonce de la pluie de fin de semaine. Ben, on sait qu'on va pouvoir prendre une douche assez longue, qu'on va pouvoir laisser couler l'eau quand on nettoie les légumes, qu'on va pouvoir faire des lessives, faire tourner le lave-vaisselle. Mais qu'après, si pendant 3 jours il pleut et qu'il n'y a pas de rayon de soleil, ben là on va devoir faire attention, on ne fera pas de lessive, on ne fera pas tourner le lave-vaisselle et on fera attention à ne pas trop abîmer nos batteries. C'est juste des comportements à changer. Donc j'ai un exemple pour illustrer ça, c'est par exemple la bouloir. Moi qui bois de la tisane et du thé toute la journée, j'avais tendance à toujours appuyer sur la bouloir et je ne me rendais pas compte en fait de ce que consommait une bouloir électrique qui est extrêmement énergivore parce que ça a besoin de chauffer de l'eau très vite. C'est à résistance, donc ça c'est quelque chose qui utilise beaucoup d'énergie. Même moi qui étais assez conscientisée sur plein de choses, j'avais aucune idée. J'appuyais, puis j'oubliais, puis hop, je réappuyais parce que j'avais oublié que j'avais fait chauffer l'eau, elle était redevenue froide. Et comme ça, 10-15 fois par jour, je pouvais appuyer sur la bouloir. Donc quand on est arrivé dans la maison, on a continué à l'utiliser. On s'est très vite rendu compte que ça allait pas être possible. Parce que là, sur un système sur batterie, c'est pas possible, sauf quand il y a des jours de grand soleil. Mais donc, il a fallu trouver autre chose. Donc voilà, je me suis dit rapidement, hop, j'achète une petite casserole, un couvercle. Ça, c'est ma casserole à eau chaude. Le matin, je fais ma tisane pour la journée. Je le mets dans un thermos et j'ai ma tisane chaude toute la journée. Pour moi, ça, c'est pas un effort. C'est juste un changement de comportement. Et une fois que l'habitude est prise, ça me manque pas du tout d'avoir une bouloir. Et maintenant, quand je vais chez d'autres gens, je vais avoir le réflexe de faire chauffer mon eau à la poêle, au gaz, ou même de façon électrique. Bon, ça se discute. Je sais pas ce qui est plus intéressant. Ça devient très technique. Mais c'est vrai que c'est des réflexes, en fait. C'est des habitudes qu'on a et on se rend même pas compte. Et en fait, le fait de vivre directement avec nos ressources et d'avoir des limites, mais aussi parfois des opportunités, ça nous donne une autre relation à la nature et aux ressources. On se rend beaucoup plus compte d'où ça vient et de l'impact que ça a, comment on doit vivre pour respecter en fait ces ressources. Voilà donc un type d'éco-conception, le Earthship, conçu pour atteindre l'autonomie en ressources, se fondre dans le paysage au point que la nature est aussi présente à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça vous dit ? Eh bien, merci énormément Pauline pour ton accueil, très chaleureux dans ta maison 100% vivante. On se retrouve très bientôt pour parler de ton investissement également au niveau local pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage et les déchets avec l'association Zero Waste ou Zéro Déchet de Périgueux. Vous pouvez retrouver l'interview sur la chaîne YouTube de Monsieur Green avec quelques photos du Earthship de Pauline. Bonne semaine à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais tu vois le Green absolu. Green, un Green plus Green.